Chers amis de Léon Joléo, merci une fois de plus de nous faire confiance. Nous nous sommes retrouvés aujourd'hui dans cette émission Face à Face pour parler de la République démocratique du Congo. Vous savez, la République démocratique du Congo, il y a plusieurs secteurs de la vie nationale qui intéressent la population congolaise. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'industrialisation de la République démocratique du Congo, un pays, un scandale géologique possédant toutes les richesses possibles du monde, 2 345 000 km² de superficie, 90 millions d'hectares de terres arables, dont 1% seulement exploités, seulement 1%, je disais, 80 millions d'habitants en République démocratique du Congo, avec une main-d'œuvre hautement qualifiée, 4 types de climats. L'un des plus longs fleuves au monde, c'est le fleuve Congo, un réseau routier important, un pays qui peut être le plus riche au monde, mais aujourd'hui matériellement pauvre. Pourquoi? Nous allons nous poser cette question, parce que le pays n'est pas industrialisé, et aujourd'hui on nous dit que l'industrialisation est le facteur de développement d'un pays. Nous allons savoir si l'industrialisation est aussi le facteur de développement de la RDC. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons Monsieur Jean-François Arménien. Monsieur Jean-François Arménien est un économiste industriel, président de la fondation For Afrique Asbel. Il s'occupe à la formation des acteurs du développement industriel. Il est également cadre de direction pour un groupe congolais dans lequel il participe au développement de plusieurs secteurs. Monsieur Jean-François Arménien, bonjour. Bonjour, je vous remercie de cet accueil et je suis là pour essayer de répondre à vos questions et puis aux questions que peuvent se poser vos téléspectateurs. Eh bien voilà, il y a plusieurs questions que les téléspectateurs se posent aujourd'hui. La première des questions est celle de savoir: est-ce que la République démocratique du Congo est industrialisée? Non, la République démocratique du Congo aujourd'hui n'est pas industrialisée. Pour vous donner un exemple, au moment de l'indépendance, il y avait plus de 30 000 entreprises industrielles en RDC, au Congo. Aujourd'hui, avec le secteur minier qui est quand même une grande partie, qui doit représenter à peu près 25% de l'industrialisation, on arrive à peine peut-être à un peu moins de 500 entreprises industrielles. Juste une remarque, vous avez des pays comme le Nigeria, qui ont le double d'habitants de la RDC, ils ont plus d'un million d'entreprises industrielles. Alors quand je parle d'entreprises industrielles, il y a les entreprises industrielles artisanales et les grandes entreprises industrielles. Donc aujourd'hui en RDC, nous sommes vraiment parmi, je pense, les derniers, en ratio si vous voulez, hein, nombre d'entreprises industrielles divisé par le nombre d'habitants, je pense que nous sommes le dernier pays au monde aujourd'hui. Nous sommes le dernier pays au monde aujourd'hui, je rappelle. Le 183e ou 186e, je n'ai pas le chiffre. Je rappelle que vous êtes ici en République démocratique du Congo depuis plus de 43 ans. 43 ans, oui. Vous avez une certaine expérience dans le secteur industriel. Vous avez dit que l'RDC n'est pas industrialisée. C'est quoi la base de cette non-industrialisation de l'RDC? Non, la base de ça, déjà, avant de vous parler de ce que l'industrialisation peut répondre, peut apporter, parce qu'aujourd'hui, donc il faut augmenter le potentiel d'entreprises industrielles, artisanales et industrielles. Les entreprises artisanales, il y en a aujourd'hui, mais elles sont dans la forme de ce que vous appelez, vous, l'entrepreneuriat, elles sont dans une forme informelle ou dans des formes associatives. Le problème de l'industrialisation, il répond essentiellement à 4 grands problèmes. D'abord, il est là pour créer des emplois productifs. Qu'est-ce qu'on appelle un emploi productif? C'est un emploi dans lequel les travailleurs font de la production, mais ont un contrat de travail, ont des bulletins de salaire, payent des cotisations, payent des impôts, etc. Ça, c'est la première chose, des ressources. La deuxième chose, l'industrialisation va mettre en valeur tous les éléments de la chaîne de valeur des produits miniers, des produits agricoles, des produits forestiers, des produits de la pêche. Donc c'est toute une l'industrialisation, c'est tout un système qui rentre dans une chaîne de valeur. Le troisième élément, il va augmenter le produit intérieur brut et surtout faire entrer des devises. Ça c'est le plus important parce qu'une grande partie de la production, cette industrialisation ne va pas servir que à alimenter l'économie de consommation des Congolais, mais elle va aussi
permettre de répondre à des besoins des pays limitrophes et des pays même africains. N'oublions pas que nous venons donc de ratifier l'accord sur la zone de libre-échange commercial, et que si on ne fait pas d'industrialisation, nous allons avoir de très très gros problèmes parce que les autres pays qui ont industrialisé vont nous amener leurs produits de consommation. Mm-hmm. Et puis nous avons aussi beaucoup d'accords de coopération à renégocier, sachant aussi que les Américains, juste avant la fin du mandat de Donald Trump, ont de nouveau inclus dans l'AGOA, la République démocratique du Congo. Ça, c'est un autre sujet plus stratégique pour les Américains, sur lequel la RDC doit se poser des questions. Voilà les éléments qui sont importants. Créer des emplois, augmenter les recettes fiscales, augmenter le produit intérieur brut, pouvoir répondre à la demande, bien sûr, des Congolais, diminuer certaines importations, donc moins sortir de devises, et augmenter les exportations. Ça, c'est le point le plus important de l'industrialisation. Monsieur Jean-François, vous avez dit qu'il faudrait aussi diminuer l'importation. Mais la RDC est un pays qui ne produit presque pas. La RDC est un pays qui vit de l'étranger. Comment est-ce qu'on peut limiter l'importation étant donné que le pays ne produit pas? Ben, pour limiter l'importation, premièrement, il faut former des acteurs qui vont produire localement. C'est ce que j'appelle moi des entrepreneurs et des promoteurs, qu'ils soient dans l'artisanat ou dans le côté de l'industrie. Donc voilà, il faut leur expliquer la jeunesse aujourd'hui ne sait pas ce qu'il y a 100 ans, ce que produisait aujourd'hui le Congo. Le Congo était parmi, je crois, la 20e ou 25e puissance. Je parle de l'économie du Congo. Production de bois, de minerais, de métaux, agroalimentaire, en élevage, en pêche, etc. Il y avait des conserveries, il y avait des abattoirs. Donc la jeunesse ne connaît pas ça, elle n'a pas compris aujourd'hui, peut-être que c'est la formation familiale, etc., qui a sorti les gens qui devaient aller vers ce secteur de la mise en valeur des ressources pour en faire des fonctionnaires ou des futurs, politiciens. Quand vous demandez aux jeunes Congolais qu'est-ce que vous voulez faire, c'est toujours faire de la politique, traire les vaches ou fabriquer des bonbons ou aller couper du bois, ça ne les intéresse pas. Alors que c'est ce qui rapporte aujourd'hui. Voilà ce que je voulais dire. On nous dit aujourd'hui aussi que la corruption est un frein pour l'industrialisation de la RDC. La corruption, ça gangrène le pays. Est-ce que vous partagez cet avis-là, que la corruption fait également partie des éléments qui freinent l'industrialisation de la RDC? Alors, je vais vous étonner. Le Congo, c'est vrai, je viens de lire les dernières statistiques, le Congo est un pays de corruption. Ah bon? Oui, je crois que la dernière statistique, vous êtes 182 ou 178e, je ne sais pas. Mais il y a un grand problème. La question que vous me posez, elle est très importante. Pour qu'il y ait corruption dans un pays, il faut des corrupteurs et des corrompus. Qui sont les corrupteurs, qui sont les corrompus? Les corrupteurs, aujourd'hui, c'est ceux qui veulent vos matières premières, au moins cher possible. Qui veulent vos substances minières, qui veulent votre bois, votre alimentaire, etc., pour amener dans leur pays, pour le transformer, pour en faire des produits industriels. Donc, le Congolais est facilement corruptible. D'accord ? Mais le problème, c'est que la corruption, ce n'est pas le Congolais qui fait la corruption. Il est un élément qui va favoriser la corruption. Mais la corruption, aujourd'hui, elle est faite essentiellement. C'est un élément dans tous les pays du monde, il n'y a pas qu'au Congo qui a la corruption. La corruption aujourd'hui, dans presque tous les pays du monde, ce sont aujourd'hui ceux qui sont dans le capitalisme économique, dans la finance internationale, qui ont besoin de matières premières, qui viennent apporter aux responsables politiques, particulièrement africains, qui sont dans une voie économique de développement, etc., qui ne sont pas encore bien structurés au niveau de leurs institutions, organismes, etc. Et donc, ces gens-là viennent aujourd'hui faire des propositions de corruption, ce sont les corrupteurs, pour pouvoir bénéficier davantage sur les matières premières, sur les exportations, sur les importations pour avoir, etc. Voilà. Donc, pour clôturer cette affaire-là, le Congo est un exposé que j'avais fait en 2013. J'ai expliqué que le Congo, aujourd'hui, c'est exact, il y a beaucoup de corruption, mais la corruption est faite par ceux qui veulent bénéficier
de toutes les ressources du pays au moindre coût. Mais vous pointez du doigt les multinationales, vous pointez du doigt les capitalistes, mais vous également, vous investisseurs qui venez ici au Congo, vous êtes parmi les gens qui sont cités dans des mafias, les gens qui sont cités dans la corruption. C'est ce que je vous dis. D'abord, moi, je ne suis pas un investisseur au Congo, ouais. De parler. Mais les gens, c'est ce que je viens de vous dire. Ceux qui viennent au Congo, c'est eux aujourd'hui qui font la corruption. Parce qu'ils ont besoin des ressources. Ils ont besoin de faire travailler, de transformer des produits sans payer la CNSS, sans payer des impôts, avec des avantages, etc. C'est eux aujourd'hui. C'est eux si aujourd'hui vous prenez toutes les grandes entreprises, je n'ai pas dit toutes à 100%, mais une grande partie des entreprises, pour pouvoir faire leur business ici, ils favorisent la corruption. L'industrialisation de la RDC va permettre en tout cas la diversification dans le secteur économique. Et cette diversification économique va créer plusieurs emplois, certainement. Mais aujourd'hui, nous constatons une chose. En République démocratique du Congo, les gens se focalisent beaucoup plus sur le secteur minier. Alors pourquoi ne pas prendre en compte d'autres secteurs tels que l'agro-industriel, le tourisme, la pêche, l'élevage pour pouvoir développer l'économie du pays? Non, premièrement, quand vous me dites que les investisseurs s'intéressent au secteur minier, ils s'intéressent au secteur minier aujourd'hui, comme je vous ai dit, parce que derrière, il y a tout un système de besoins des matières premières du Congo. Mais aujourd'hui, on ne prend pas que les matières, on ne prend pas que les produits miniers. Je vais y revenir dessus. On prend les plantes médicinales, on prend le café, on prend le cacao, les produits de la pêche, etc. Donc il y a tout un ensemble de produits aujourd'hui. Bien sûr, on est sur les produits miniers. Pourquoi ? Parce qu'on est dans la suite logique de la colonisation qui avait développé ce secteur minier en RDC, parce qu'ils avaient besoin à cette époque-là. N'oubliez pas qu'on venait de connaître la Première Guerre mondiale, l'évolution, il y a eu la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, il y a eu l'évolution de l'industrialisation en Europe, de l'automobile, des infrastructures, etc. Il fallait donc des matières premières aujourd'hui pour pouvoir fabriquer. Et parmi ces matières premières, dans lesquelles il y en a moins en Europe, il y a au Congo, il y avait le zinc, l'étain et le cuivre, qui sont les produits pour fabriquer essentiellement dans tout ce secteur-là, on avait besoin de cuivre, de zinc, d'étain et des alliages qui sont les cuproalus, qui sont le bronze, le laiton, etc. Et particulièrement dans l'armement. Aujourd'hui, dans l'armement, on avait besoin du bronze et du laiton. Les cartouches, etc., sont en bronze, sont en laiton et le matériel de fonctionnement militaire, il y a beaucoup de bronze à l'intérieur. Surtout qu'avec les problèmes de la marine, etc. Je ne veux pas entrer dans tous les détails, on avait besoin de ça. Et je dirais même plus, on a fait en même temps le diamant qui est aussi un élément commercial pour la guerre, on a aussi l'or qui est aussi un élément commercial pour les transactions d'armement, etc. Sans oublier l'uranium que vous avez fourni pour faire la bombe atomique. Donc vous voyez qu'on est venu, on a développé le Congo sur un ensemble de produits miniers aujourd'hui, le cobalt aussi, qui rentre dans la construction des armes de l'armement, et stratégique même dans l'espace. Donc on a pris au Congo ce qu'on avait besoin essentiellement pour développer l'industrialisation, la guerre et les infrastructures dans les autres pays. Mais le Congo aujourd'hui n'a pas que ses, 5 ou 6 produits. Le Congo a 50 substances dans le sol minière qui sont d'autres produits. Comme à l'époque où quand j'étais expert à la Sominki, on savait déjà dans les années 80, même avant, que la Sominki, dans son traitement de récupération de la cassitérie, donc production d'étain, on laissait des rejets dans lesquels il y avait du lithium et encore d'autres produits. Et donc on n'a rien fait depuis des années, on est resté dans du copier-coller. Ça veut dire quelqu'un fait du cuivre, tout le monde fait du cuivre. On reste là-dessus, on reste sur ce système-là et on ne touche pas le reste. Non, aujourd'hui, il faut apprendre à nos jeunes qu'il y a d'autres, c'est là où je viens à l'industrialisation, qu'il y a d'autres métaux et que pour pouvoir les extraire, on n'a pas besoin, entre guillemets, d'avoir des creuseurs, entre parenthèses, dont plus de la moitié sont considérés comme des esclaves, oui. D'accord ? Mais on a besoin de techniciens, de spécialistes, de métallurgistes
pour pouvoir extraire ces substances qui sont dans le sol, d'accord, et qui sont nécessaires aujourd'hui, et qui sont des substances qui coûtent, je dirais même des fois 10, 15 fois plus cher au niveau de leur valeur que quand on vend du cuivre ou même quand on vend du cobalt. Monsieur Jean-François Arménien, vous n'êtes pas arménien, hein, parce que... D'origine. Vous êtes arménien d'origine. Oui, mes parents, mes ancêtres, oui. Voilà. On parle aussi de l'énergie, entre guillemets l'électricité, l'infrastructure et les difficultés d'accès aux capitaux qui sont un frein pour l'industrialisation de la République démocratique du Congo. J'aimerais que vous puissiez expliquer point par point en quoi est-ce que l'énergie est un frein pour le développement de l'industrie en RDC, en quoi est-ce que les infrastructures sont un frein et en quoi est-ce que l'accès aux capitaux sont un frein pour l'industrialisation de la RDC. D'abord, un point qui est important aujourd'hui, le Congo, en fonction de son budget de l'État pour le développement du pays, qui tourne toujours, qui a presque jamais dépassé 10 milliards depuis une vingtaine d'années. C'est d'accord. Je rappelle que c'est 7 milliards. Voilà, mais comme je disais, je reste dans une veille, on n'a jamais dépassé 20 milliards. N'a pas les moyens de développer ses routes, son éducation, la santé, payer ses fonctionnaires, etc. Et donc, la RDC, d'accord, qu'on a mis dans cette situation, parce que tant qu'elle n'aura pas d'industrie, elle sera toujours dans cette catégorie-là. Et donc, elle est obligée de faire appel aujourd'hui aux bailleurs de fonds. Et n'oubliez pas que les bailleurs de fonds, eux, aujourd'hui, ils ont essentiellement derrière. Le bailleur de fonds, il n'est pas gagnant-gagnant avec le Congolais. Le bailleur de fonds, il est gagnant avec la finance internationale, avec la géopolitique. Le bailleur de fonds. Il faut savoir que les bailleurs de fonds, ce sont des pays qui mettent de l'argent chez les bailleurs de fonds pour pouvoir aider d'autres pays. Et donc, ils disent aussi, nous envoyons nos experts, mais nous voulons que nous soyons gagnants. Mm-hmm. C'est ça, un bailleur de fonds. D'accord. Donc, aujourd'hui, les bailleurs de fonds, aujourd'hui, ils n'ont rien fait depuis la chute de la fin de la colonisation, depuis l'indépendance de la RDC. Bien sûr, ont apporté des ressources dans le pays, mais pas des ressources pour développer réellement l'énergie, même si on parle de Inga, ni les infrastructures routières, ferroviaires, etc., pour différentes raisons. Donc aujourd'hui, je considère que les bailleurs de fonds ont laissé le pays, j'allais dire, dans une léthargie complète. Qu'est-ce qu'il allait faire, très exactement? Ben parce qu'aujourd'hui, c'est leur avantage. Plus vous laissez un pays dans sa léthargie, plus ce pays, il va y avoir une élite qui va vouloir manger, et ce pays-là, aujourd'hui, cette élite-là va facilement être corrompue, ce que je disais tout à l'heure, par les gens qui veulent venir récupérer le bois, l'agriculture, la pêche et les produits miniers. Donc, aujourd'hui, je répète, tant que le Congo n'a pas un budget de 25 et 30 milliards de dollars par an pour avoir son autonomie de décision de ce qu'elle a envie de faire, tant qu'elle n'a pas cette capacité, elle va faire appel aux bailleurs de fonds. Ça, c'est une démarche et qui rentre dans la stratégie. Alors que ces bailleurs de fonds viennent pour leurs intérêts égoïstes. Égoïstes. Aujourd'hui, quand les bailleurs de fonds, etc., viennent pour faire des infrastructures, d'accord, que ce soit des travaux routiers, etc., ça a toujours une finalité. Et je vais vous dire, je ne veux pas être même très, je dirais, outre que la géopolitique, mais elle a des volontés de faire des projets, des financements qui vont servir aussi aux pays qui sont autour. Donc il n'y a pas une vision réelle du développement du Congo. Mm-hmm. Juste un exemple, quand les bailleurs de fonds disent nous allons payer les enseignants. Mm-hmm. Mais si on n'a pas fait des écoles, on n'a pas donné des cahiers aux enfants, on n'a pas fait du matériel, on n'a pas... Ça sert à quoi? Pour faire une école, il faut le terrain, il faut les bâtiments, il faut les bureaux, il faut des élèves à l'intérieur qui puissent venir, il faut des toilettes. Mm-hmm. Et après, il faut bien sûr des enseignants, et puis il faut aussi pouvoir leur donner des livres, des cahiers, etc. Donc c'est tout un ensemble. Mais si on prend qu'un élément, et le bailleur de fonds dit « je vais payer les enseignants », bon, ok, on va payer les enseignants, mais après le reste. Il n'y a pas de bâtiments. Il n'y a pas de bâtiments, il faut voir comment c'est fait. Donc c'est toute une logique. C'est là où l'État, à chaque fois, et je lis souvent depuis des années que je suis dans le pays, les rapports stratégiques des différents ministères, mais je ne vois jamais une volonté de développer une chaîne complète, une chaîne d'éducation, une chaîne pour les orphelins, de sociale, une chaîne. Non, toujours des éléments. Et
pas que les bailleurs de fonds, les partenaires aussi institutionnels, ce que vous appelez les institutions d'appui international, ils viennent apporter des ressources à, dans cette chaîne, à un point particulier de la chaîne. C'est pour ça que quand ils apportent quelque chose dans, à, au milieu de la chaîne ne se développe pas parce qu'ils n'ont pas touché toute la chaîne. Mm-hmm. Juste pour vous dire, quelle est la solution aujourd'hui pour sortir de ce problème-là ? Nous allons y arriver. Oui. Nous allons y arriver. Parlons juste de l'accès aux capitaux, l'accès aux fonds. En République démocratique du Congo aujourd'hui, nous avons quand même le fonds pour la promotion de l'industrie qui fonctionne. Ça fonctionne, mais comment non, est-ce non, que non, nous pouvons dire qu'il n'y a pas l'accès aux capitaux ? Non. Aujourd'hui, non, au Congo, il n'y a pas l'accès aux capitaux. Les accès aux capitaux, c'est vraiment autre chose. Pour ça, je reviendrai sur un autre élément tout à l'heure. L'accès aux capitaux aujourd'hui, d'accord, pour faire ce grand développement, il ne peut se faire... Les gens qui mettent de l'argent, que s'ils savent qu'ils vont récupérer leur argent, je ne parle pas que Congolais, je ne parle pas que le banquier, je vais venir au FPI après et aux banques. Je pense aux gens qui apportent des capitaux, ce que vous appelez des investisseurs. Oui. D'accord ? Les investisseurs aujourd'hui, quand ils viennent, et j'ai suivi toutes les évolutions depuis 2 ans, de ce qui s'est fait, des missions du président, de ses conseillers, des ministres à l'étranger. Il y a plein de promesses d'apporter des fonds. Et jusqu'à présent, on ne voit rien. Non, on ne voit rien. Pourquoi ? C'est quand celui qui apporte les fonds, ça c'est facile, signer un protocole lors d'un séjour en Chine ou ailleurs en disant on va vous donner 100 millions, 150 millions pour faire ça, etc. Mais celui qui a signé ça aujourd'hui, ça c'est aussi les États, les politiciens. Après, ils ont des structures derrière de gestion de cet argent. Oui. À qui ils vont donner l'argent ? Pour faire quoi ? Comment va-t-il être géré ? À quoi il va servir ? Comment on va nous rembourser cet argent ? Tout ça aujourd'hui, quelles sont les études qui vont garantir que l'argent qu'on va vous donner et à qui on va donner l'argent ? Donc, en règle générale... Ce sont ces études de faisabilité qui bloquent, en quelque sorte. Ce sont ces études, pas forcément que de faisabilité, c'est surtout aussi les retombées socio-économiques, parce qu'il y a beaucoup des aides et des subventions qui viennent. Donc, ce n'est pas toujours des crédits à rembourser. Mmh. Ça, c'est le premier élément. Et donc, les gens savent aujourd'hui, d'accord, qu'il est vraiment très, très important... D'accord ? Quand vous prêtez de l'argent, de savoir comment vous allez le récupérer. Et aujourd'hui, on ne donne pas de réponse. Ça fait que ces contrats, ces intentions de prêt aujourd'hui n'ont pas de suivi parce que nous ne savons pas comment nous allons rembourser. Alors maintenant, qui va rembourser ? C'est là où il faut qu'il y ait des structures qui sont capables aujourd'hui, ce que j'appelle des porteurs de projets congolais. Et les Congolais aujourd'hui ont la capacité de pouvoir... faire des projets, aller les présenter, sinon pas... Que les Congolais n'ont pas... Il n'y a pas ces structures-là qui peuvent être porteuses des projets au niveau de la communauté internationale. Non, et puis, non, je m'excuse. Et des projets... pardon. Et des projets réalistes. Pour ça, je peux parler socio-économique. Un exemple. Aujourd'hui, on cherche de l'argent. Quand j'ai fait les missions avec l'encadrement des ministères, etc., j'ai écouté surtout l'ANAPI, on cherche toujours des très grosses sommes d'argent pour faire des très gros projets. Mmh. Aujourd'hui, la démarche qu'on doit avoir, c'est de ne pas aller chercher des grosses sommes. C'est de faire des développements aujourd'hui, au lieu d'aller chercher des milliards pour faire Inga 3, par exemple. Pourquoi on ne va pas chercher de l'argent avec le même montant? Ça, on pourrait faire 500 micro ou mini centrales hydroélectriques un peu dans le pays qui donneraient de l'électricité à toutes ces communautés, à tous ces gens du développement rural pour faire du développement de l'agriculture, de la pêche, avec déjà un peu d'électricité pour conditionner, transformer, etc. On est en train de parler. Et ça, c'est les grandes institutions. Laissons les Chinois, la Banque mondiale, tout ça, aller vers ces grands projets. Nous, ayant une démarche plus réaliste. Je vois tous les grands projets qu'on va signer, c'est toujours, on parle toujours de millions, de milliards. Des grands projets de nouvelles villes, je viens d'entendre, des grands projets de centrales photovoltaïques, des barrages. Ça met du temps, ça ne se met pas tout de suite aujourd'hui. Même si j'ai écouté tout ce qui a été signé par le président en Égypte,
D'accord ? Mm-hmm. Ces résultats-là, aujourd'hui, oui, il va mettre... d'abord, il va falloir faire les études, savoir qui va gérer ça, quelles sont les entreprises qui vont gérer ça. Regardez les sociétés dans les projets. Moi, je vois, j'entends que ce soit à Luano, à Lubumbashi, que ce soit à la Cité du Peuple, on parle de grands projets, les 10 années sont passées, il y a plein de constructions commencées, non finies, etc. Soyons réalistes. Mettons en place des projets qui répondent à la population maintenant. Les projets, c'est d'avoir un peu d'avoir déjà des améliorations dans la santé, l'éducation, un peu d'améliorer les transports, avoir de l'électricité, etc. De petits projets. Ces petits projets-là, aujourd'hui, il y a, n'allez pas chercher, n'allez pas discuter avec les États, les gouvernements étrangers pour faire ces accords. Allez discuter avec les milliers de fonds. De fonds, j'allais dire, privés, capitalisés, les banques de développement, les sociétés capital risque, les sociétés capital investissement, les structures de gestion de patrimoine. Aujourd'hui, en Europe, ces structures préfèrent mettre de l'argent en RDC dans des petits projets où ils vont gagner 10-15% d'intérêt que de laisser l'argent aujourd'hui dans les banques suisses ou françaises qui vont leur apporter même pas 2% d'intérêt. Donc aujourd'hui, la finance, la petite finance, quand je dis petite finance, c'est un faux terme, c'est la plus importante, de l'argent qui est placé dans tous ces fonds, dans ces sociétés capital risque, etc., il peut venir en Afrique. Vous avez en Afrique du Sud, vous avez, j'ai la liste, il y a plus de 350 entreprises, capital risque, capital développement, fonds financiers, etc., capables d'aider des projets en RDC. Sauf qu'on ne leur présente pas des projets qui sont des projets bancables sur lesquels ils savent que s'ils mettent de l'argent, il y aura des retombées économiques. En vous comprenant bien, il faut aller avec des micro-projets. Des mini-projets. Que ce soit des projets bancables. N'allons pas avec des grands projets, des 100 millions. De 100 non, l'État millions. Peut avoir ces projets-là, mais il ne faut pas oublier le petit projet. Donc il faut mettre aussi, prendre en compte ces petits projets. Alors ces petits projets aujourd'hui, ils existent. Mm-hmm. Il y en a 12 millions, monsieur, qui existent. 12 millions de 12 projets. Millions, non, ils sont déjà opérationnels, okay. Ils sont dans l'informel, ils sont dans l'artisanat informel. Des menuiseries, des fabricants de jus de fruits, des fabricants de cosmétiques. Des mamans qui font ça artisanalement. Ces 12 millions là, si on n'en prend même qu'un million, et qu'on prend ce 1 million, on les transforme en petites entreprises industrielles, ou soit artisanales, soit industrielles avec des partenaires. Mais demain, vous allez voir le produit intérieur brut, il va éclater. Les ressources de l'État vont éclater. Laissez l'État avoir des grands projets. Alors vous m'avez dit tout à l'heure, il faut les infrastructures et l'électricité. Je vous ai dit, aujourd'hui, on peut faire des petites centrales hydroélectriques de partout dans le pays, entre, je dirais, 100 000 et 500 000 dollars. On n'a pas dit d'alimenter des villes complètes, non. Des petites structures qui vont alimenter des collectivités, des communautés pour pouvoir faire sur place de l'agriculture, transformer, conditionner, emballer leurs produits, etc., pour pouvoir les transporter. Et vous allez voir que ça va marcher. C'est ça. L'industrialisation, aujourd'hui au Congo, elle est très facile parce que vous avez déjà un grand potentiel de gens qui sont dans la compétence artisanale. Je vois les gens qui fabriquent des meubles. Comment ? Une main d'œuvre qualifiée dans l'artisanat. Bien sûr, qui existe. Il faut leur donner un petit coup de pouce. Et pour leur donner le coup de pouce, l'État ne peut pas le faire. Mais par contre, il a qu'à mettre des textes, des lois, d'améliorer sa législation, éviter la corruption, éviter la tracasserie, pour que ces gens puissent se développer. Maintenant, ces gens-là, je reviens sur la question du fonds pour la promotion de l'industrie. Ces gens-là, ces artisanats ne bénéficient pas des fonds du FPI. Qui en bénéficient ? Ce sont... Les multinationales. Les gens qui bénéficient des fonds aujourd'hui, des projets qui vont au FPI, essentiellement, je suis réaliste quand je dis ça, moi-même j'ai monté des dossiers pour des entreprises, c'est une question, je dirais, une grande partie, pas tout, mais je dirais de copinage, d'amitié, de relations, etc. Les gens ont pris des crédits, essentiellement pour des activités commerciales ou de prestations qui ne sont pas des activités industrielles.
Donc, pour moi, à mon avis, le FPI n'a pas fait son travail. Le FPI, c'est un fonds de promotion de l'industrialisation. Ça veut dire que c'est de l'argent qui est mis pour acheter des machines de transformation, des tours à commande numérique, des machines à emballer, des équipements de conditionnement, d'emballage. C'est ce qui se fait. C'est ce qui se fait régulièrement. Non. Prenez la liste de tous les projets, vous verrez que le FPI n'a pas donné de l'argent. Ils ont donné de l'argent pour faire des commerces, ils ont donné pour acheter. Analysez bien le résultat. Voilà, je ne vais pas dans les détails. Ou pour faire des. Mais réellement pas pour développer l'industrialisation. Mais qui, par exemple. Et après, les gens n'ont pas remboursé. Vous connaissez, moi, je ne connais pas toutes les histoires. Je ne rentre pas là-dedans. Moi, j'ai ma vocation de pousser à l'industrialisation. Je dis que pour le moment, le FPI ne fait pas son travail d'appuyer l'industrialisation. Ce n'est pas forcément leur faute. Ce n'est pas la faute des responsables. C'est parce que l'État n'a pas mis en place, d'abord parce que le FPI, d'accord, à qui est-il rattaché? Ça, c'est déjà un point important. À qui il est rattaché, le FPI? Il est rattaché au ministère de l'Industrie. Donc, l'industrie, ce n'est pas l'industrialisation. Le FPI devrait être rattaché essentiellement à une structure qui a en charge, mettons le plan si on veut, ou l'industrialisation. Mais l'industrie, elle existe aujourd'hui. Je vous ai dit, il y a à peu près 500 entreprises industrielles dans le pays. Donc, eux, ils ont besoin peut-être du FPI pour améliorer leurs outils de production. Mais je vais encore aller plus loin. Toutes ces entreprises aujourd'hui, pour améliorer leurs outils de production, acheter des machines automatisées, numériques, qui utilisent l'informatique, il faut des compétences techniques. Et nous ne formons pas aujourd'hui, on va peut-être y revenir tout à l'heure, je fais déjà le lien, oui. On ne forme pas aujourd'hui les acteurs de cette industrialisation, il n'y a pas de formation professionnelle adaptée à l'industrialisation. Maintenant, aujourd'hui, il y a des gens qui ont contracté des dettes pour FPI, qui ne remboursent pas. Parmi ces gens-là, il y a également beaucoup d'investisseurs étrangers. Ça, c'est. Moi, je connais, j'ai monté plusieurs dossiers pour des investisseurs étrangers au FPI. Je peux vous dire qu'ils ont remboursé. Ils ont remboursé? Oui, absolument. Mais ceux ils remboursent. Qui n'ont pas remboursé, ce sont. Ah, ce sont le copinage. Est-ce que vous connaissez quand même quelques personnes qui... Non, la presse est là, les médias sont là pour les dénoncer, c'est pas à moi de les dénoncer, j'enquête pas là-dessus. Moi, je dis aujourd'hui que les projets sur lesquels j'ai aidé des promoteurs à avoir des prêts au niveau du FPI... Mais vous avez quand même suivi quand le FPI a saisi les meubles de certaines. Mais il faut qu'ils continuent, oui, il faut continuer. Cette stratégie-là, elle est la bonne. Oui, absolument, c'est son rôle. Mais vous avez aussi derrière la Sofidé. Vous avez deux structures. Vous avez aussi la Sofidé qui est là pour le développement, qui peut servir demain au développement de l'industrialisation. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Aujourd'hui. Je vous coupe, on n'a pas parlé de la formation professionnelle. Je suis en train d'y arriver. Aujourd'hui. Comment peut-on remédier? Qu'est-ce qu'il faut faire pour permettre à ce que l'industrialisation de la RDC soit effective? Voilà. Quels sont les éléments? Non, l'élément principal, c'est la formation professionnelle. Pourquoi? Un industriel qui vient s'installer, je donne un exemple. Un industriel sur un produit que vous avez dans le sol, que vous n'utilisez pas, que vous jetez dans la rivière, qui est le mica. Vous avez des grandes réserves de mica dans le pays. Pour pouvoir transformer ce mica qui sert à différents, fabrications de produits. Qu'est-ce qu'il faut? L'industriel qui va venir faire ça ici, et j'ai l'exemple de Rio Tinto à Fort-Dauphin, à Madagascar. L'industriel qui vient, il sait fabriquer son électricité, ça veut dire qu'il va faire son usine, par exemple, du côté, je vais donner, mettons, une idée, du côté de Nuzu, par exemple. Je prends Nuzu dans le Tanganyika. L'industriel, il vient, il y a un gisement de mica, il veut transformer ce mica. L'industriel qui vient, il va construire, il sait qu'il n'y a pas de courant dans le coin. Donc, quand il fait son projet, il va prévoir dans son projet, dans ses investissements, une unité de production d'électricité. Mais il va prévoir aussi la réhabilitation de la route pour évacuer ses produits ou la réhabilitation d'un pont. Ce que les gens ne font pas aujourd'hui. On a construit des projets miniers dans lesquels on sait que là où on a construit le projet minier, il n'y a pas d'électricité.
On a fait des minoteries. Je connais par cœur l'est du pays, particulièrement le Haut-Katanga. On a construit des minoteries dans lesquelles il n'y a pas d'électricité. On a construit des usines, aujourd'hui métallurgiques, dans lesquelles il n'y a pas d'électricité. Ça, c'est une aberration complète de la part des porteurs de projets. Aujourd'hui, quand vous êtes un investisseur, si vous savez qu'il n'y a pas de courant, vous mettez la production d'électricité, vous mettez la réhabilitation des routes. Maintenant, l'élément important derrière, donc je vous ai dit, c'est l'investisseur qui est l'entrepreneur, qui connaît son métier, ce n'est pas un aventurier. Hein. Oui. Il sait faire son électricité, ses routes, etc. Il sait faire même un centre de formation dans son entreprise. Mais par contre, ce qu'il n'a pas, c'est la main d'œuvre. Mmh. Et s'il doit faire venir des expatriés, d'accord, qui sont de l'ordre de 80 000 à 100 000 dans le domaine des agents de maîtrise en RDC, qu'on peut déjà remplacer, former des Congolais pour les remplacer. Ça serait long à expliquer, mais c'est possible. Aujourd'hui, nous avons besoin de compétences pour pouvoir être les acteurs, les opérateurs, les techniciens dans ces entreprises industrielles. Premièrement, l'industriel qui arrive, il va venir avec des Chinois, des Indiens, peu importe. Il ne parle pas forcément le Swahili, l'Ingala, le français. Donc il a besoin d'avoir des tuteurs formateurs, des maîtres de stage, des maîtres d'apprentissage au sein de son entreprise. Par exemple, c'est un élément que je dis depuis des années dans le code minier, il faut imposer aux entreprises que quand ils viennent s'installer, de créer une école d'entreprise et des tuteurs formateurs, des maîtres de stage, des maîtres d'apprentissage congolais qui vont être dans ces endroits pour former des Congolais, pour expliquer, etc. De faire d'une façon officielle. Mmh. Deuxièmement, les agents de maîtrise, chefs d'équipe, chefs de chantier, conducteurs de travaux. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'école de formation des agents de maîtrise en RDC. Donc, on fait encore appel aux étrangers. Troisièmement, ce que j'appelle les cadres de direction. Pour les former, il faut des licences et des masters professionnels. Il n'y a, ou un ou deux, si on veut, s'ils ne sont pas réellement, il n'y a pas de formation universitaire professionnelle au Congo. On ne forme pas des maîtrises en travaux miniers souterrains. On ne forme pas des licences en CHSCT. On ne forme pas des masters en hygiène alimentaire qui sont nécessaires au développement de l'industrialisation dans les problèmes d'emballage, de conditionnement, de transformation, de logistique. On ne forme pas. Tout ça, c'est des formations professionnelles. Ça, c'est une lacune que la coopération n'a pas réglée depuis des années. Pourquoi international, vos partenaires? Parce qu'à l'époque coloniale, on formait les gens dans un niveau de formation généralisé. Ce que vous avez continué, avec des centaines d'avocats, de médecins, etc. Mais pas de professionnels, pas de formation. Parce que les gens quittaient la RDC, allaient en Belgique, en France, en Allemagne, ou même en Roumanie, dans d'autres pays, pour faire les formations professionnelles. Donc, et souvent, ils restaient là-bas. Si on comprend bien aujourd'hui, on peut installer... On peut être calé dans le secteur énergétique, on peut être calé dans les infrastructures. Si on n'a pas le personnel formé, il n'y aura pas d'industrialisation. Il n'y a pas d'industrialisation, c'est le personnel qui gère l'industrialisation. Et on ne forme pas. Il y a des Congolais très compétents dans l'industrialisation, qui ont étudié jusqu'au niveau d'unité ici, ils sont partis à l'étranger. Les enfants de ceux qui ont de l'argent pour étudier à l'étranger, mais ils ne reviennent plus. Mais vous-même... En France, j'ai un chiffre. Mm-hmm. Bon ou pas bon, je ne le sais pas. Une estimation, il y a à peu près 130 000 Congolais qui sont partis pour la formation. Qui ont été formés là-bas, dont une grande partie sont restés là-bas, ils sont mariés, ils sont restés là-bas. Ils viennent qu'en vacances ici au Congo. Mm-hmm. Vous-même, Jean-François Arménien, vous avez dit que vous êtes dans économiste industriel, président de la fondation Form Afrique, ASBEL, qui s'occupe de la formation. Des formations dont je viens de vous parler. Agent de maîtrise, tuteur formateur. Voilà. Vous-même, personnellement, dans votre organisation, vous avez formé à peu près combien Des milliers de personnes. Que si je parle, par exemple, de ce que j'ai fait dans les entreprises, que ce soit chez les creuseurs artisanaux, j'ai peut-être formé 100 000 creuseurs artisanaux à qui j'ai donné des cours sur la forme d'exploitation, sur comment
en complément de ce qu'à l'époque le CESCAP ne faisait pas. D'autres formations, je ne peux pas vous montrer des photos, si j'avais ça je vous montrerai. Les gens qui font des galeries souterraines bien étayées avec des bastings en bois, des gens qui font du matériel pour nettoyer correctement, pour ne pas polluer la rivière, etc. Donc ça c'est le secteur minier, artisanal. Ben, les formations que j'ai données, la Fondation Formafrique travaille essentiellement pour les ASBL. Donc les gens qui sont dans l'agriculture, l'élevage, la pêche et les mines. Parce qu'aujourd'hui, un grand problème du coin, mais ça c'est un autre débat qu'on peut avoir, la grande erreur aussi du développement, on l'a laissé, je dis, ça c'est encore les institutions internationales et ça continue, de nous laisser avoir fait des lois, des textes avec cet artisanat minier ASBL qui laisse les gens dans des structures qui ne sont pas opérationnelles, pas de développement, et qui laisse les gens travailler dans des conditions lamentables. Il y a encore eu récemment des morts à Colvézi, je crois, des effondrements, etc. Ça veut dire aujourd'hui, on ne s'occupe même pas de la qualité des gens qui travaillent, de leurs soucis de santé, etc. Pour moi, ils travaillent, je dirais, peut-être qu'en Égypte, il y a 5000 ans, quand ils construisaient les pyramides, puisque ce sont les Africains qu'on a amenés comme esclaves pour conduire là-bas, je pense qu'il y avait des mines d'or à l'époque, en Égypte, je pense qu'ils travaillaient peut-être dans les meilleures conditions que ceux que travaillent les creuseurs aujourd'hui. Aujourd'hui, nous pouvons dire que la responsabilité est partagée entre le gouvernement congolais et les multinationales dans cet échec de l'industrialisation de la RDC. Non, je ne mettrai pas les politiciens ou les technocrates congolais en premier. En premier, aujourd'hui, je mets les bailleurs de fonds. Qui sont eux, les bailleurs de fonds, qui sont derrière un ensemble de leurs partenaires. Les bailleurs de fonds ont des partenaires qui amènent des fonds, des ressources dedans, qui sont derrière, je le dirais, un peu le capitalisme mondial. Mm-hmm. Si vous suivez même ce qui vient de se dérouler encore par téléconférence, etc., à Davos, vous allez vous apercevoir, même quand vous suivez tout. Moi qui suis un économiste industriel, je suis la presse, je regarde ce qui se fait, etc. Quand je lis ce que les institutions, ce que le capitalisme mondial donne comme injonction, on le voit dans la crise sanitaire que nous avons en Europe sur la vaccination, je ne veux pas rentrer tout, mais que vous compreniez. Vous voyez aujourd'hui que qui décide de tout, ce n'est pas les politiciens dans un pays, ni leurs technocrates qui sont là avec eux, d'accord, pour les aider. Ce sont aujourd'hui les grands fabricants des vaccins, des médicaments, c'est eux qui définissent leur stratégie, c'est eux qui ont la géopolitique, c'est eux qui ont l'argent, c'est eux qui tiennent tout par la ficelle. Donc les politiques ne peuvent pas prendre le devant. Le politicien, il vient derrière, plus ou moins manipulé. Manipulé par les bailleurs de fonds. De fonds à travers de la corruption, mm-hmm. à travers des petites activités de compensation, etc. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin, ce sera la dernière question. La corruption, nous avons parlé de la corruption, c'est ce qui gangrène en tout cas la République démocratique du Congo, qui freine le développement de la République démocratique du Congo dans le secteur industriel. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, vous, en tant qu'expert ? C'est facile, c'est très facile. Aujourd'hui, les seuls qui peuvent régler le problème de la corruption, d'accord, je vous ai dit qu'elle vient de l'extérieur, mm-hmm. et je vous dis, elle n'est pas congolaise. Si vous écoutez la presse de partout aujourd'hui, vous allez au Liban, vous allez en Italie. Récemment, on vient de mettre 2 ans de prison à M. Léotard en France avec une amende de 100 000 $ qui a été ministre des Armées, et à M. Edouard Balladur, 1 an de prison, 50 000 $, parce qu'ils ont fait des actions de corruption pour vendre du matériel au Pakistan ou je ne sais plus, etc. Je ne rentre pas dans les détails. Donc, ça existe de partout. Qu'est-ce qui peut réduire ça ? C'est essentiellement... On peut parler de la réduction. De la réduction de cette corruption, on peut la réduire. C'est aujourd'hui la sensibilisation de tous les acteurs, de l'économie congolaise, d'avoir un peu de citoyenneté, de patriotisme, de civilité, etc., pour ne pas se faire corrompre et d'appliquer réellement les textes, les lois, les décrets. En disant, non monsieur, vous devez payer ça. Monsieur, la douane c'est ça, vous devez payer ça. Je vous offre 1 000 $, non, vous devez payer ça. Il pense à son pays, il sait que cet argent qu'il va amener va permettre de faire les écoles de ses enfants, va amener la santé de sa grand-mère. Donc aujourd'hui c'est le Congolais à prendre conscience
aujourd'hui, pas forcément, il y aura toujours au niveau de l'élite, il y aura toujours des problèmes, c'est pas grave, je vous dis que ça existe, d'accord ? Déjà au départ, à la base, la petite corruption de la fonction publique, que les Congolais sachent que aujourd'hui, quelqu'un qui doit payer quelque chose à l'État, monsieur, tu le payes parce que ça va servir. Mm-hmm. Voilà. Monsieur Jean-François Arménien, merci beaucoup. Moi, je vous remercie, oui. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous accorder votre disponibilité. Ouais. Je crois que à chaque fois que nous aurons besoin d'une expertise dans le secteur industriel, nous allons faire appel à vous. C'est une première, mais je crois que ça ne sera pas la dernière. Merci. Ben, je suis là. Bon, vous avez dit tout à l'heure, comme je vous ai dit avec la Fondation, juste une remarque importante aujourd'hui. Oui. Ce que je fais en parallèle, dans un cadre d'un contrat que j'ai de travail, etc., vous m'avez posé la question, dans un groupe aujourd'hui qui a différentes activités dans différents domaines et qui veut se développer, c'est pour ça que je suis avec cette entreprise-là, c'est quelque chose qu'on doit faire aussi. Donc aujourd'hui, je termine là-dessus, il y a des hommes d'affaires congolais qui ont des capacités, qui ont des relations, qui n'ont peut-être pas tous les moyens techniques, tous les moyens financiers ou tous les moyens commerciaux. Ils doivent aujourd'hui prendre conscience de se remonter les manches et d'être un outil de développement. C'est eux qui doivent apporter, je dis ça, pourquoi je dis ça? Parce que toutes les missions que nous avons réalisées avec le patron de l'entreprise où je suis, d'accord, qui a cette vision de l'industrialisation, qui sait qu'est-ce que c'est qu'une chaîne des valeurs, nous avons fait à l'étranger, à chaque fois que nous étions à l'étranger par l'intermédiaire de l'AFEC, nous étions pour ainsi dire une ou deux sociétés congolaises. Aujourd'hui, ce que je dis, et je m'adresse même au chef de l'État, quand il fait ses missions à l'étranger pour rencontrer des partenaires, ne pas y aller forcément qu'avec les gens de l'administration, de son environnement, qui ne connaissent pas l'industrialisation, et qu'est-ce qu'on peut amener comme bon projet à fonctionner. Il faut qu'ils prennent des patrons d'entreprise, comme là où je suis actuellement, dans le groupe où je suis, qui a déjà, comme je vous dis, c'est pas tout, mais qui soit un élément. Donc, il devrait partir, non pas avec des conseillers des ministères, mais partir avec une vingtaine, une trentaine d'entrepreneurs. Et je dis ça, c'est l'exemple que nous avons en France, que nous avons fait avec Chirac, avec Sarkozy, avec maintenant Macron. Quand le président va à l'étranger, il prend pas les fonctionnaires. Il prend les patrons des entreprises françaises pour qu'ils aillent faire des bons contrats parce que ce sont des entrepreneurs. Il a fait quand il était parti aux États-Unis, le chef de l'État. Il a pris, il a amené qui? Quelle entreprise il a amené? Je vous parle de vraiment d'entreprises, des gens qui sont dans le secteur, qui sont des entrepreneurs. C'est ça qu'il faut amener aujourd'hui, qu'il faut mettre en avant. Des vraies entreprises, ceux qui ont des entreprises avec 500 000 salariés aujourd'hui au Congo. Pas ceux qui ont des petites entreprises où il y a deux salariés pour faire de la confiture. Merci beaucoup. Voilà, c'est pas les artisans qu'il faut amener, c'est ceux qui ont une capacité déjà, comme je vous ai dit, et qui ont besoin de partenaires financiers, techniques, commerciaux pour développer déjà ce qu'ils font. Dans le groupe où je suis, si on trouvait une dizaine de partenaires, demain on créerait, comme dirait mon patron encore, il le disait encore hier, on peut créer des milliers d'emplois. Il faut qu'on trouve ses partenaires. Et il n'y a que des gens comme lui aujourd'hui qui sont capables, aujourd'hui, il n'a pas tout, mais il est un élément, il a la vision. Les gens qui ont la vision, il faut essayer de les aider, de les appuyer pour qu'ils puissent aller chercher ses partenaires pour développer ces entreprises congolaises. Juste, je termine. Oui. Ne pas oublier que ces entreprises congolaises aujourd'hui, elles ont un point important. Elles peuvent répondre à la loi sur la sous-traitance. Donc c'est un autre débat. Mais il faut des entreprises congolaises. Vous avez fait une loi sur la sous-traitance qui dit on donne les marchés de sous-traitance à des sociétés de droit congolais avec des associés congolais et des capitaux congolais. Donc c'est ces entreprises-là qu'il faut aider à se développer. Je crois que nous allons y revenir. Cette sous-traitance, c'est très important ici en République démocratique du Congo. Les gens doivent savoir ce que c'est la sous-traitance parce que y a des gens qui sont exploités, ne sachant pas ce qu'il faut faire comme sous-traitance. Ça ne sera pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, mais nous arrivons à... Pour faire la sous-traitance, il faut de la formation professionnelle des gens nous qui sont dans ces entreprises. Voilà. Nous allons développer cela dans les émissions. Ben, je vous remercie, oui. Monsieur le Président de la République, vous avez bien entendu cet ami Jean-François Arménien. Si vous allez
bon, de pays étrangers, il faut amener des investisseurs. Il ne faut pas amener... Non, nos entrepreneurs congolais. Les entrepreneurs qui ont la vision du Congo. Il ne faut pas amener les entrepreneurs mallettes voilà. qui ont seulement 2 salariés. Il faut amener les entrepreneurs. C'est dans ce sens-là que vous allez créer des millionnaires en République démocratique du Congo, comme vous l'avez si bien dit dans votre discours. Je rappelle ici que nous avions reçu Monsieur Jean-François Arminien. Il est économiste et industriel, président de la Fondation For Afrique ASBEL. Il est également, il s'occupe de la formation des acteurs du développement industriel dans For Afrique ASBEL. Il est également cadre des directions pour un groupe congolais dans lequel il participe au développement de plusieurs secteurs. Je rappelle que là-bas, il est administrateur, directeur général adjoint. Non, directeur général adjoint. Directeur général adjoint, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Merci beaucoup, Jean-François Arménien. Et vous également, très chers amis de Léon Joléo, merci à vous de nous prêter votre attention. Vous êtes de partout, abonnez-vous massivement à Léon Joléo pour ne rien rater de l'actualité de la République démocratique du Congo. Un grand merci à l'ensemble de l'équipe qui m'a aidé à présenter cette émission. Thierry Batondo qui était au cadrage, Exaucé Odinga au montage, Fiston Yankolé a assuré la réalisation de cette émission. Un grand merci également à Bijou Maïkani pour la coordination, pourquoi pas Thierry Boulambo qui a également participé à cette émission d'une manière ou d'une autre. Un grand merci à celui que moi j'appelle toujours la cheville ouvrière de Léo Djoléo, Odon Boulamba. Et surtout vous, chers internautes, n'oubliez pas de vous abonner. Nous sommes arrivés à la fin. On se retrouve au prochain numéro.